vous venez d'entendre Isaac Jopin qui vous interprétait l'Allegro moderato du concerto en ré mineur de Jean Sibelius. Alors, bienvenue à l'émission, Isaac. Ça fait plaisir d'être là. Oui, bien merci d'avoir accepté l'invitation puis d'avoir joué avec autant de brio ce magnifique concerto, vraiment, qui est magnifique. Pas facile, on doit le dire. Puis c'est une pièce encore beaucoup plus élaborée. Là, on en a joué qu'un petit bout du premier mouvement. Il y a des grandes cadences, des grands tutti d'orchestre. Alors, Isaac, parle-nous un petit peu de comment tu as commencé à t'intéresser au violon. En fait, j'ai entendu à la télévision un violoniste qui jouait avec un orchestre. Oui. Et ça m'a complètement épaté. Je disais, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là, cette chose-là? J'allais voir mes parents, et c'est quoi? Ils ont dit du violon. Okay. Puis ça a parti comme ça, j'avais peut-être 6-7 ans. D'accord. Puis là, ben, ça s'est concrétisé dans moi. Puis à 8 ans, j'ai commencé à jouer du violon. Puis par la suite, j'ai su que mon grand-père jouait du violon un peu, c'est un violonneux, mais j'ai eu par la suite son violon entier quelques années plus tard. Ah oui, ah, ça devait être bien d'avoir le... C'était vraiment le fun à faire, j'ai vraiment... Puis j'avais eu un violon trois quarts d'une tante aussi, donc j'ai quasiment eu tous des violons de la famille, des gens qui jouaient un peu de violon. Alors vraiment, le violon, c'est un instrument qui était... Oui, dans la famille de ma mère, c'était quasiment, sans le savoir, que c'était quasiment un suivi dans la famille, des générations que le violon soit là. Et puis, dès le départ, tu as commencé avec tes études avec... J'ai commencé avec Denis Sanacaré, c'est un prof à Saint-Hilaire. Oui. Puis, dans le fond, j'adorais ça. J'ai appris, dans le fond, à jouer la musique populaire plus avec lui. Okay. Puis ça m'a permis par la suite, plus tard, d'avoir un répertoire pour pouvoir jouer dans des musiques de cocktail ou des trucs comme Club Date. Oui, c'est ça. C'est important. Les mariages et tout. Puis maintenant, tu es en train de faire ta maîtrise à l'Université de Montréal avec Claude Richard, c'est ça? Et puis, bon, entre autres choses, tu prépares le concerto de Sibelius, tu prépares quelles autres pièces Rondo, également? Rondo Capriccioso de Camille Saint-Saëns. Oui, c'est magnifique ça aussi. C'est une très belle pièce aussi. Et je fais aussi la première fugue de Bach, de la première partita. Et je fais aussi la sonate de Brahms numéro 3. OK, d'accord. Puis est-ce que en plus de faire des pièces solo, tu fais de la musique de chambre également? Je fais beaucoup de musique de chambre. Okay. Je fais quintette, je fais un quatuor aussi. J'ai un duo que ça fait plusieurs 5 ans qu'on est ensemble, qu'on joue beaucoup aussi au niveau des contrats, des trucs de même, durant l'été, même durant l'hiver aussi. Et c'est ça, dans le fond, j'adore la musique de chambre. Je trouve que ça permet de faire un échange avec plein de musiciens, mais ça permet aussi de donner notre touche aussi, ce qu'on ne peut pas faire dans un orchestre en tant que tel, parce que c'est toute une masse. Également, c'est ça, tu es violon solo pour l'Orchestre des jeunes de la Montérégie. Violon solo de l'orchestre, ça fait maintenant 5 ans. Oui, bravo. Puis avec ça, ça veut dire que, bon, pour nos téléspectateurs, d'être violon solo, c'est toi qui as tous les solos, toutes les grandes difficultés, puis tu es quand même le leader de toute la section également. Ouais. Alors, c'est toi qui s'occupe de mettre ce qu'on appelle les coups d'archet. Oui, on regarde les coups d'archet pour toutes les sections aussi, par rapport à ça. Donc, j'adore ça. C'est vraiment une façon de leadership que j'adore. Puis ça permet d'être en contact avec beaucoup de personnes aussi. Puis d'être en contact avec un chef d'orchestre encore plus privilégié. Oui, puis c'est un excellent chef en la personne de Luc Chaput. Luc Chaput, qui est déjà venu à l'émission également. Qui est très sympathique, très charismatique aussi. Une très bonne personne. Oui. Alors, écoute, moi, je te souhaitais que tes études continuent de façon extraordinaire puis que tu aies beaucoup de succès dans tes prochains projets de compétition et de concerts. Parce que cette année, je pense que tu prends ça un peu mollo du côté des compétitions. Oui. Je monte un plus pour moi les niveaux des concertos et tout ça. Ben, c'est une bonne idée de temps en temps de prendre le temps. Prendre un recul, puis plus écouter, puis de voir un peu ce qu'on en est, puis tout ça. Puis après ça, ressort lancer dans les concours peut-être un peu plus international. Oui, c'est ça. Ben, je pense que tu devrais bien y arriver. Alors, je te souhaite beaucoup de succès. Mais merci beaucoup. Merci encore d'avoir participé à l'émission.